11e saison, c'est assez rare pour le noter. C'est la saison 11 de la maturité. C'est une manière de grandir en même temps que le personnage. Cette saison, on a voulu que nos personnages ils aient un peu une vie, j'allais dire, au-delà des vestiaires. Un peu le boulot, un peu les amours. C'est important aussi de montrer que le handicap n'empêche pas un quotidien comme tout le monde. Vous allez voir nos personnages amoureux, ça fait du bien. Boris Vigneron joue quelqu'un qui a un AVC aussi. Caro. Est-ce que tu veux bien aller dîner avec moi au restaurant ce soir? Grave, ouais. Ouais, c'est bien. Donc ça va être, je pense, assez cocasse de voir ces deux poissons rouges dans leur bocal tomber amoureux. Hugh Grant. Non, mais là, en l'occurrence, le coup de foudre, il se répète, c'est le principe du, ouais. Principe du truc. Donc ça a plus de chances que ça dure plus longtemps. Il y a plus de chances que ça dure plus longtemps. Ouais. Et Alexandre Philippe a aussi une petite amie. Ben voilà, donc le club s'agrandit et ils ont la particularité quand même tous les deux, parce que la carte de visite, c'est quand même d'être handi. Et ils sont aussi handi avec des handicaps différents. Judith, une jeune nageuse qui est une prothèse de hanche. Suite à un accident et qui rejoint le club. Enfin, moi, je me suis vraiment pris un eucalyptus il y a quelques années. J'ai pas de prothèse de hanche. J'ai écrit un seul en scène basé sur mon accident que Fabrice a vu une date de rodage et il a vraiment aimé. Du coup, il a essayé d'incorporer mon personnage et cette petite histoire dans Vestiaire. Alors, Marjolaine, elle est géniale. Et Boris, je vais te découvrir maintenant. Allez, le moteur est demandé, bien silence. Enchantée, moi c'est Caro. Je crois que... Et pas que d'amitié. Hein. On est très contents parce que on va avoir... Je me vante, mon ami, mon copain Patrick Timsit. On a Joseph Chovanec, évidemment, comme chaque année. On retrouve Aude Goni-Goubert, on retrouve notre ami Jeff, Jimmy Conchou. Allez, à la baille. Et de se recentrer un peu sur le noyau dur, c'est-à-dire cette équipe de 5-6 nageurs, donc Romy, Orson, évidemment, Caro, Roland, Ramirez, le personnage de Charles, interprété par Christophe aussi, qu'on voit plus. Bravo. Je dis bravo. Fabrice et Ada l'ont imaginé très clairement en s'inspirant de ce que je suis et en extrapolant évidemment, en grossissant le trait côté, parfois un peu grande gueule qui est voilà, inversement proportionnel à ma taille, ce qui fait que je prends une certaine place. Je peux montrer qu'il est là, quitte à parfois même nier un peu, être dans le déni par rapport à son handicap. Il est dans un club handi, mais ne se considère pas véritablement comme handi. Ah, faut pas me lancer, tu vois. Donc on retrouve tous ces personnages qu'on aime bien avoir avec nous. Bon, saison 11, c'est ça paraît fou, quoi. C'est complètement fou. Bravo, merci à tous. Moi-même, je suis le premier surpris. Chaque fois que je finis une écriture, on fait le tournage, et pendant le tournage, déjà, il y a plein d'idées qui arrivent. Quoi. C'est quasiment... Je crois que vraiment, quand on aime un truc, c'est intarissable.